أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. On va continuer avec donc le cours qu'on a vu la semaine, il y a peut-être quelques semaines. Il parle de cet éclair. Il nous a expliqué le centre de le bonheur. C'est un éclair, mais qui ne dure pas aussi. Le plaisir mondain, matériel, ne dure pas aussi. Pourquoi ? Parce que la vie elle-même est éphémère. Tout est éphémère. Ça, c'est une réalité. وكل من انتهى إلى هذه الرتبة فإنه يحب لقاء الله تعالى. Celui qui aspire à la rencontre de Dieu. À votre avis, il attend quoi? C'est la page 81. قال كل من انتهى إلى هذه الرتبة فإنه يحب لقاء الله تعالى. Donc si tu reçois cet éclair, cette gnose, cette connaissance, tu espéreras, tu aspireras à rencontrer Dieu. Donc voilà, barakallahu fik. فيحب الموت ولا يكرهه. Quiconque en arrive à ce niveau de connaissance aspire à la rencontre de Dieu et attend la mort. إلا من حيث ينتظر زيادة استكمال في المعرفة. Donc il peut attendre la mort, ou il peut aussi espérer vivre longtemps. Pourquoi, à votre avis, il espérera vivre longtemps? On parle d'un gnostique. Quelqu'un qui a aimé Allah Azza wa Jalla, qui a goûté à la réjouissance de la gnose. Barakallah, il cherche plus, il cherchera plus. Donc il cherchera à parfaire cette connaissance. Il n'y répugne que dans la mesure où il convoite un surcroît de connaissance. Alors, qui peut me comparer? On a vu l'image de la connaissance. Elle est comparée à quoi? La connaissance. Par rapport à la contemplation de la vie d'ici, de l'au-delà. Elle est comparée à quoi? Déjà, je vous aide. Il y a une continuation. C'est la même. C'est la même créature. Voilà, c'est la connaissance et la contemplation de Dieu. On a vu ça. Il y a une image. La question, la connaissance par rapport à la contemplation. Il y a une image qui peut, une parabole. Hein? D'accord. Mais quelque chose qui grandit pour atteindre la contemplation. Les échelons. Oui, il y a des étapes. À chaque fois, c'est plus beau, plus grand. C'est pas un arbre. Un arbre. Donc, la connaissance, c'est la semence. La contemplation, c'est le fruit, mais attention, un fruit sans limite, sans infini. Pas comme un fruit. فَإِنَّ الْمَعْرِفَةَ كَالْبَذْرِ وَبَحْرُ الْمَعْرِفَةِ لَا سَاحِلَ لَهُ.
car la connaissance est comme la semence. Or, l'océan de la connaissance est son rivage. L'océan de la connaissance est son rivage. Toujours, il insiste sur ce point, Al-Ghazali. La beauté divine est son rivage. La sagesse, c'est la même chose. La connaissance, la sagesse, la beauté, les bienfaits de Dieu, tout ça, c'est la même chose. Son rivage, ça veut dire infini. Infini. C'est ça qui veut dire. Okay. Donc, est-ce qu'on peut cerner l'essence de la majesté de Dieu? فَالْإِحَاطَةُ بِكُنْهِ جَلَالِ اللَّهِ مُحَالٌ. Alors qu'on a pris dans l'islam traditionnel, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّا اللَّهِ. Et voilà, et on passe à autre chose. C'est fini, c'est bon. Cette module est parachevée. Allah lui-même, la connaissance de Dieu, est un océan. Alors, on a dit, la connaissance, c'est comme une semence, mais au début, c'était comme une semence, mais en réalité, c'est un océan sans fond et sans rivage. Il a dit, même, c'est l'élixir de la vie, dans un autre endroit. Celui qui s'en abreuve deviendra immortel. Et ne tombera jamais malade, il m'a dit. La yamutu abadan wa la yasqam. Huwa iksirul hayati man shariba minhu lam yamut wa lam yamrad wa lam yasqam. Très joli. Très très joli. Alors, wa bahrul ma'rifati la sahila lahu. Wa alaykoum salam. فالإحاطة بكنه جلال الله محال فكلما كثرت المعرفة. Alors si mes connaissances concernant les attributs, les actes de Dieu et les secrets de sa royaume s'intensifient, quel est le fruit à récolter dans la vie d'ici-bas, à votre avis? Donc c'est un océan, il a dit. Si mes connaissances concernant les attributs, la royauté de Dieu augmente. Alors, quels sont les fruits déjà dans la vie d'ici-bas? C'est le plaisir. C'est un plaisir dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà surtout. Dans la vie de l'au-delà, ça sera un plaisir immense. On a dit la semence est l'arbre qui va donner des fruits. Cerner l'essence de la majesté divine est donc impossible. Plus la connaissance de Dieu, de ses attributs, de ses actes et des secrets de sa royauté. Ça veut dire quoi? Sa royauté. Ou bien ici, son royaume. Les secrets de la royauté. Ça veut dire quoi? La création. La création apparente. Ou bien j'entends les oiseaux différemment. Non. Modalité. C'est général. C'est bon, clair. C'est subtil. Mais c'est subtil. Faustina, elle m'a dit, tu entends ces oiseaux? J'ai dit oui. Elle m'a dit, je l'entends différemment. C'est ça, Allah l'a divulgué au dernier moment de sa vie, un secret de sa royauté. Quelle est la différence, où on a dit ça, hein, entre le royaume et la royauté? Al-Mamlaka ou Al-Malakout. Quelle est la différence entre les deux?
Moi, j'étais dans, quand elle m'a demandé, est-ce que tu as entendu ces oiseaux? J'ai dit, oui, bien sûr. Moi, j'étais dans le royaume. Et elle a entendu les chants dans le monde de la royauté. Il n'y a plus de voile. Vous voyez la différence? Donc, le monde de la royauté, il est dans la septième ciel, cinq, sixième. Donc, septième. Il est là. Il est là. Il est là, le monde de la royauté. Il est autour de nous. Yves, qu'est-ce qu'il a dit? Je vois la beauté partout, même dans les choses les plus insignifiantes, une araignée, une promenade aux chuves, dans ma femme, partout. Donc la beauté, elle est là, mais elle est cachée. C'est un trésor. Il doit être caché. C'est normal. Ils sont la beauté. Ils voient. Ils voient pas. Ils Ils sont voient. avec son cœur, c'est pas avec. Oui, il voit avec avec le cœur, bien sûr. Bien sûr. Le monde de la royauté est co à contempler. Il n'est pas visible. Et c'est normal. Sinon, tout le monde va profiter de ça, sans faire un effort. Donc, il faut faire un effort, éveiller le cœur. كثر النعيم في الآخرة وعظم كما أنه كلما كثر البذر وحسن كثر الزرع وحسن. Donc la réjouissance dans la vie de l'au-delà dépend de la semence dans la vie d'ici-bas. Le plaisir céleste dépend de la connaissance sur cette terre, la connaissance de Dieu, de la connaissance. La semence, c'est la connaissance. Les fruits, c'est le plaisir, c'est la contemplation, c'est le summum de plaisir. C'est la contemplation de la noble face d'Allah Azza. On a parlé, on ne sait jamais, de la contemplation dans plusieurs cours, si vous voulez voir ça. De même que plus les semis sont nombreux et de bonne qualité, pourquoi il parle des semis nombreux? Semis, semences, c'est la même chose, hein. Il a parlé de la qualité et la quantité. Ça, c'est le plus important. Quand je dis la ilaha illallah, je peux répéter ça plusieurs fois. Et le mieux, c'est voir, hein, travailler sur la quantité et la qualité en même temps. Ça, c'est. Or, ces graines. Alors, on a dit semis. Voilà. Plus la connaissance de Dieu, de ses attributs, de ses actes et des secrets de son royaume, sa royauté plutôt, est grande. Et donc, il n'y a pas. Des fois, il utilise royauté, royaume, parce que c'est la même chose. La royauté est dans le royaume. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas vraiment de séparation. Hein. Pour nous, il y a cette séparation, mais elle est là, la beauté divine. Les signes de Dieu sont partout. La beauté est partout. Est-ce que c'est clair? Elle est à l'intérieur de nous-mêmes et dans notre entourage, selon le Coran. Fi anfusikum wa fi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. حتى يتبين لهم أنه الحق. Hein? Donc ça, c'est un verset très fort aussi. Donc on a dit, voilà, plus la connaissance de Dieu, de ses attributs, de ses actes et des secrets de son royaume est grande et fermement établie, plus la félicité sera grande et sublime dans la vie de l'au-delà. Donc le fruit dépend de la semence, de la quantité. Hein. Donc la quantité de plaisir dans la vie de l'au-delà dépend de la quantité, la qualité de plaisir dans la vie de l'au-delà. Hein. Donc il y aura des gens qui vont se réjouir des fleuves, du vin,
et d'autres qui vont se réjouir de la beauté divine. Hein. Ceux qui étaient habités par la connaissance et la quête de la connaissance de Dieu. De même que plus les semis sont nombreux et de bonne qualité, plus la récolte sera foisante et belle. Or, ces graines ne peuvent être rassemblées qu'en ce monde. Ça veut dire quoi? Si je vous dis ça. Or, ces graines ne peuvent être rassemblées, les graines ou les semences, hein, on doit mouflihoun. Le mot mouflihoun, ça veut dire quoi, mouflihoun? Oui. Mais la racine, ça vient de quoi? Falaha. Oui, falaha, ça veut dire quoi, falaha? Qui travaille la terre et sème les graines. C'est ça. Mouflihoun, c'est ceux qui... c'est ceux qui labourent, les paysans, travaillent la terre, sèment les semis, labourent. Et donc, si tu travailles plus aujourd'hui, tu récolteras plus dans la vie de l'au-delà. Donc, ils ont travaillé, donc ils méritent de récolter dans la vie de l'au-delà. Oui, voilà, comme ça. Or, ces graines ne peuvent être rassemblées qu'en ce monde et ils ne peuvent être plantées que... Alors, c'est formidable. Subhanallah. Il joue sur le métaphore et après la réalité. Alors, فَكُلَّمَا كَثُرَتْ الْمَعْرِفَةُ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَبِأَسْرَارِ مَمْلِكَتِهِ فكلما كثر البذر وحسن كثر الزرع وحسن ولا يمكن تحصيل هذا البذر إلا في الدنيا. Donc, or ces graines ne peuvent être rassemblées qu'en ce monde. Vous imaginez? Vous êtes avec moi, donc c'est dans la vie d'ici-bas qu'on plante. Hein, qu'on doit planter, travailler la terre. La terre dans laquelle on doit... la terre à labourer. C'est cette quoi terre-là. C'est quoi? C'est tout. Maintenant. Dans cette vie. Le cœur. C'est pour ça que j'étais un peu ébloui par cette expression. Okay. Or, ces graines ne peuvent être rassemblées qu'en ce monde et ne peuvent être plantées que dans le champ du cœur. وَلَا يُمْكِنُ تَحْصِيلُ هَذَا الْبَذْرِ إِلَّا فِي الدُّنْيَا وَلَا يُزْرَعُ إِلَّا فِي صَعِيدِ الْقَلْبِ. ولا حصاد إلا في الآخرة. Quant à la récolte, où elle ne pourra se faire que dans l'au-delà. Donc le champ, c'est le cœur, la récolte dans la vie de l'au-delà. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل السعادات طول العمر في طاعة الله. Pourquoi? Alors, dites-moi pourquoi le prophète il a dit. C'est pourquoi l'envoyé de Dieu a dit: la plus grande félicité de l'homme est de vouer sa vie à Dieu. Travailler plus pour avoir une longue vie dans l'adoration de Dieu. Donc je vais vivre un siècle. Dans l'adoration de Dieu. Ça veut dire quoi? Lié à ce qu'on a vu. Le cœur, c'est le champ. Ouais. Travaille plus, plus tu vis, voilà. Plus tu laboures, plus ton cœur est
plus de. Plus il y aura dans la vie, dans l'au-delà, il y aura plus de dans l'adoration. Al-Ghazali n'a pas parlé de récolte dans la vie d'ici-bas. Nous attendons toujours la réjouissance. Alors ici, il n'y a que les graines. Plus de terrain, tu laboures plus de terrain et tu sèmes. C'est la connaissance. Bien sûr, il y a une réjouissance, mais très minime. C'est comme un éclair. Mais attention, j'ai expliqué l'éclair. L'éclair peut changer la vie. On cherche cet éclair. Cette seconde, c'est une seconde. Le bonheur, c'est une seconde. Mais qui illumine notre vie, qui parfume notre vie, qui change notre vie. Une seconde. Tu peux étudier des années, mais le changement se passe en une seconde. C'est ça la gnose. C'est ça la chose qui peut changer le cœur. Comme l'or. L'or, il faut travailler, chercher pour trouver quelques grammes, ou le diamant, quelque chose. C'est la même chose. Donc il ne faut jamais se désespérer. Et aussi, il n'y a pas une gnose en quantité. Jamais, ça n'existe pas. Vous savez pourquoi? Imaginez la gnose, l'extase spirituelle. La gnose, c'est l'extase ici. Dure une heure. Hein? On sera détruit. On perd la raison. Tu vas abandonner tes enfants, crois-moi. Non, même si elle part et on revient, comme c'est la dépression après. Oui. C'est la dépression qui nous pousse à reprendre le travail. Et déjà, si avec ces extases minimes, hein, on ressent cette déception souvent. Souvent après l'homme, prépare-toi, Odette. Après, hein? Ah, tu oui. T'as... Inch'Allah, celle-là, je vais la vivre encore. Inch'Allah, il faut la préparer. Donc, on a aussi des enregistrements de Razali concernant les secrets. Et chaque jeudi aussi, si tu peux assister, c'est pas long, c'est 20 minutes. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps maintenant. Inch'Allah, il faut semer. C'est ça la semence. Donc, لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ إِنَّمَا تَكْمُلُ وَتَكْثُرُ وَتَتَّسِعُ فِي الْعُمُرِ الطَّوِيلِ Alors, la gnose ici, quand on parle de ce moment, cet éclair, cette étincelle, comment la trouver? Si je passe toute ma vie à lire le Ghazali, est-ce que je vais trouver la gnose? Jamais. Il faut travailler. C'est indispensable mais insignifiant. Il te donne des mots-clés, et après c'est à toi de chercher. Dans les prières, dans les stirfas, dans les dhikas, dans beaucoup de choses. Je sais pas, dans le bienfait pour ce que tu fais autour de toi. Un travail. Mais il y a des pistes mentionnées ici. Le dhikr qui peut me donner une autre piste pour attirer cet éclair, la prière, les invocations, les bonnes actions. Il ne faut pas attendre, bien sûr. C'est une condition. Oui. Tu peux me dire aussi. Qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à cette connaissance? La méditation, oui. Le dhikr, c'est une chose. Et la méditation, c'est une autre chose. Oui. C'est lié. Hein. Rester vigilant. Dans le cheminement. Ce sont donc l'effort, le cheminement et la vigilance. Oui. La dunya. La dunya, oui, on y est dedans. On fait quoi avec la dunya? L'amour aux autres, donner de l'amour. On a donné de l'amour. Comme on a dit, les bienfaisances qu'on fait envers les autres. Il ne sait pas trop s'attacher. Se couper de l'excès de la matérialité de la vie d'ici-bas. Mais donner en fait une importance secondaire. C'est-à-dire, ne pas être attaché. Très attaché. Faire beaucoup des retraites spirituelles.
la retraite, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Il y a quatre points toujours qui attirent le dévoilement spirituel. La connaissance. Ça, c'est une condition. La connaissance, c'est nécessaire. Tu ne peux pas cheminer sans une carte. Deuxième, c'est le combat spirituel. Mettre en pratique ses enseignements. Ça, c'est très difficile aussi. Zid, la méditation et l'invocation de Dieu. Le détachement de la donia et l'aspiration sincère. Avoir la détermination. Hein? Donc, sur la durée. Voilà. Élargir et accroître la connaissance tout au long d'une vie nécessite, nous l'avons dit, de méditer beaucoup, de préserver, de persévérer dans l'effort sur soi. Deux, de s'affranchir des attachements de ce monde, on a dit ça, et de se vouer à la quête du vrai. La grand V, c'est Allah Azza wa Jalla. Se vouer, ça veut dire quoi ici? Voilà, vraiment avoir une aspiration, la détermination, ça c'est sincère. Ne jamais baisser les bras parce que voilà. Sayyidina Moussa a dit : je suis prêt à voyager toute ma vie pour rencontrer cet homme qui a plus de connaissances que moi. Ça, c'est l'aspiration. Hein? Donc, ça, c'est très très important dans le cheminement. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah.